Je suis volontaire Fidesco à Bafoussam. Nous sommes là en famille avec Charlotte, mon épouse et nos trois garçons. Moi, je travaille à l'imprimerie du diocèse de Bafoussam. Très concrètement, j'occupe plutôt les fonctions gestion des finances, gestion des achats, la partie un peu commerciale et puis les ressources humaines. Notre mission d'évêque, nous sommes spécialement confrontés aux questions du développement humain intégral, c'est-à-dire donner aux personnes de croître dans toutes les dimensions de leur être. Monseigneur Dieudonné Wathiau a mis sur pied des structures très importantes pour accompagner ce développement. Par exemple, sur le plan de la communication, on a mis sur pied une radio diocésaine. On a mis sur pied également une imprimerie diocésaine. Nous avions besoin d'être aidés et nous sommes très très contents parce que nous avons accueilli des coopérants Fidesco. On a accueilli successivement deux couples. L'épouse de chacun des couples a travaillé à la radio. Maintenant, c'est Charlotte. Et on a également eu l'aide des coopérants pour l'imprimerie. Vraiment, nous apprécions leur concours pour le développement de ces outils de communication. Ils sont venus en couple avec leurs enfants et je peux vous dire que ça a fait une grande impression, très positive, donné une impression très positive parce que au-delà du travail qu'ils venaient faire, de l'aide qu'ils venaient apporter chacun avec sa compétence, on voyait une famille et une famille chrétienne. Martin, il est élève parmi les élèves, ça change pas grand-chose. Il n'y a pas, trop de différence en fait. Au début c'était le blanc, mais assez vite c'est passé à Martin et ils ont toujours vécu au Cameroun, ils ont très peu de souvenirs de la France et donc leur univers c'est ici et les gens parlent d'une certaine manière, ils parlent comme eux et en ça ils sont d'ici, ce sont des Camerounais. Il y a ce témoignage dont nous avons besoin et dont nous sommes aussi fiers.